Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur la chaîne Twitch de Romain Grosjean, sur la page Facebook RWJ Sport et sur la chaîne YouTube de Benjix Motors. Et pour les premiers mots de ce live, on va laisser Romain s'exprimer. Salut Romain! Salut! Ravi de t'avoir avec nous pour cet événement de la RWJ Cup. À Spa-Francorchamps, avec ses Ferrari 488 GTE, on va passer une très belle soirée. Tu vas prendre le volant dans quelques instants. Prêt, motivé pour ce départ? Carrément. Ouais, carrément. Non, c'est un super événement et je suis très content qu'on ait réussi à le monter. Je suis très content qu'il y ait autant de gens qui aient répondu présent. On a vraiment envie de faire un peu une fête du sim racing, de partager les pro drivers qu'on a avec tout le monde qui pouvait rentrer. Et du coup, ça fait vraiment plaisir de voir qu'on a autant de voitures au départ de la course, qui est un niveau de ouf. Parce qu'honnêtement, quand je regarde les niveaux de chacun, les ratings, c'est assez fou. Et du coup, ça va être une belle course. Et surtout, ça permet de partager. Le tirage au sort fait que certaines personnes se sont retrouvées, une personne s'est retrouvée avec moi, d'autres se sont retrouvées avec les pro racers et c'est top. Ouais, on a une belle soirée qu'on va vivre en tout cas. La qualification, la séance de qualification est en train de se terminer, donc on va peut-être te libérer, à moins qu'on salue aussi Thibaut Larue et Sébastien Poitvin qui seront là. Salut Thibaut. Oui, bonsoir. Peut-être un petit mot en anglais quand même, on voit dans les commentaires. On peut poser « So Romain, we are between two Formula One Grand Prix and you are sitting here in your simulator, so we know you built your own sim racing team in April. So what's all about tonight ?» Yeah, tonight it's all about sim racing and a good party of sim racing. You know, we had the chance to organize this event and to share with everyone, pros and non-pros, the night. And really, we had a lot of people coming in. There's a very high level in the game. And I must say, I'm super pleased to be here with everyone, you know, and really, that's something that we're looking at doing more in the future because it's just fun. We've got everyone coming in and we just enjoy sim racing and race each other. So no worries, we will speak English during the live. We will have some of our sim racers who don't speak French, so I will do my best with my English, so don't worry. Yes. Merci, merci. Iban First 1, GoPro 1, Predator 2, then and finally Praga Official, Praga 2, Richard Me 2, Praga 3, and that's all for the grid. Voilà donc la grille de départ hein, que vous avez vue ici sous les yeux. Et ça y est, c'est parti pour cette course et cette heure ici à Spa-Francorchamps avec ses Ferrari et avec la Soccer Coin 1 hein, qui a pris un bon envol pour l'instant. Tout se passe bien au passage de ce premier rayon dans cette épreuve. Et ça va déjà attaquer hein, un petit peu avec la Simlab 1 notamment, la Mind Maze 1 également aussi qui est juste derrière. Au freinage des combis ici peut-être l'extérieur pour Thibaut Cazobon hein, qui est au volant de la Simlab 1. C'est passé.
Et pour l'instant, Thibaut et Sébastien, départ on peut plus propre, hein, signalé quand même de la part de l'ensemble du plateau. Ouais, effectivement, un petit nom, hein, les équipes ont le nom des partenaires de l'écurie de Romain, donc effectivement il y a bien des pilotes derrière, dont Thibaut Cazobon. On donnera la liste des pilotes professionnels de l'écurie R8G. C'est une soirée de communauté pour faire découvrir l'équipe, faire participer les fans et les pilotes qui vont s'affronter parmi les meilleurs joueurs, hein, qui ont des e-ratings extraordinaires comme Thibaut Cazobon. Donc voilà, si vous voyez les noms, ce sont les partenaires fidèles de l'écurie, et comme on dit souvent, eh ben, sans les partenaires, c'est pareil dans tout le sport automobile, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'événement. Donc voilà l'explication des noms qui apparaissent à l'écran. Ouais, c'est clair, effectivement. Alors donc pour l'instant, donc le classement que vous allez retrouver sur la droite de votre écran, hein, bien évidemment, avec les noms de ces partenaires suivis de numéros de l'équipe, évidemment, hein, il y a en général 2 à 3 équipes, tout est dépendant aussi bien sûr des voitures par partenaire justement. Et donc là ici, vous voyez le premier tour qui va tout doucement déjà se terminer, hein, ici pour cette course donc d'une heure. So we will explain this in English now. 1 hour race here at Spa-Francorchamps racetrack, and the team names for the different cars tonight are names from main partners of the AJ Esports team. Thibaut. Yes, exactly. Because without partners, it's not possible to do anything in motorsport. But it's the same in life. So yeah, there is real racers in every team. And but there, the name of the team is the sponsor. For example, we have a Praga official. Praga is one of the main sponsors of the team, and there is 2 real racers in it, like Jack Fabi and Hank Bridle. We are really race the real Praga in real life. Yes, that's absolutely amazing to have those two drivers tonight. Hein. Donc on a 2 pilotes réels de l'équipe Praga, hein, qui sont en piste. Effectivement, on peut les signaler. Alors que pendant ce temps-là, ça bataille beaucoup. Là, vous voyez. Après le passage pour la 2e fois de la soirée de ce Redion, regardez ce peloton là ici de 4-5 voitures. C'est très très chaud, on est même à 3 de front. Oups, attention. Oh, ça va s'accrocher. Ça a touché Stéphane Plat. Aïe aïe aïe. Ah là, Stéphane Plat qui était un petit peu devant, ça va. Mais derrière effectivement on a la GoPro 1 avec Mathieu Gauthier Thornton là ici. Mathieu Gauthier Thornton off the track here at Lecombe, unfortunately for the driver. But I think he will continue this race because it's a... I will say a fun race tonight. C'est un peu une course fun. C'est le but aussi de mettre en avant notre sport qui est le sim racing, le sport qu'on aime tant, évidemment. Messieurs, c'est pas vous que je vais dire le contraire, bien sûr. Et puis, l'occasion de vivre un bel événement, comme je l'ai dit. Donc, ce sport à mettre en avant, c'est un des, j'allais dire, cheval de bataille aussi de la RUG Sportivo. Oui, exactement. C'est de partager. Romain a créé son équipe en plein confinement. Et donc aujourd'hui, il veut faire partager. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps en France. Certains dans cette équipe sont bien passés pour le savoir, notamment vous et Stéphane Koch aussi, qui a un petit peu été l'un des précurseurs du sim racing. Aujourd'hui, ça se développe, et l'idée effectivement, c'était de permettre à des pilotes de venir affronter des Thibaut Cazobon qui ont des e-ratings de plus de 9000. C'est comme si une écurie de F1 décidait de faire un Grand Prix avec des fans et avec des pilotes de karting, de Formule Renault. Alors dans la réalité, c'est pas possible, dans le virtuel, et voilà. Et Romain est dans le partage, et l'idée de ce soir, avec tous les défauts qu'il peut y avoir, c'était de faire une soirée sympathique de communauté, de répondre à des questions, et de faire partager, en espérant que le sim racing continue à se développer, ce qui est bien parti pour être le cas. Ça, c'est exactement. On peut souligner quand même que les équipes ont été tirées au sort, hein, en fonction. Alors on a pris les 25 premiers qui ont été associés avec les 25 suivants au niveau des qualifications. Effectivement, il y a des équipes qui sont pas du tout homogènes, mais il y a un vrai partage. Et là, on a un vrai exemple, parce que c'est Thomas Petitjean qui a réalisé la pole dans la Soccer Coin qui était conduit par Stéphane Plat. Et donc il y a un écart de niveau entre ces deux pilotes là qui est énorme. Mais c'est deux pilotes qui se connaissent beaucoup et qui s'apprécient. Donc ça a été très compliqué pour Stéphane sur ce départ. Mais bon, je pense que sa voiture n'est pas trop endommagée pour continuer la course dans les bonnes conditions. Alors on a 2-3 questions dans le Twitch de Romain. Parce que l'intérêt aussi, c'est cette plateforme Twitch extraordinaire qui permet de... que les pilotes de F1 ne peuvent pas faire dans la vraie vie, de partager. Quel est le pseudo de Romain? Eh bien Romain, pas de favoritisme, il roule sur une voiture R8G. Alors, voilà. Pour l'instant, elle est pour l'instant en 18e position. Mais Romain fait...
plutôt un beau temps en qualification. Rappelons que Romain s'est mis au sim racing il y a peu de temps. Pour l'instant, il n'a participé qu'à 3 courses, 2 BMW 120 face à des vrais sim racers qui font ça depuis des années et dans des bons splits. Et les 24 heures du Mans e-racing, puisqu'il y a eu des 24 heures du Mans e-racing, et Romain finit quatrième avec son équipe, en pilotant lui-même, en faisant des vrais relais. Donc voilà, il ne se cache pas, il affronte des pilotes qui sont pour le moment plus rapides que lui, puisqu'ils ont, ils ont l'habitude, mais on voit que les chronos sont plutôt beaux. D'ailleurs, on est en caméra, profitez un petit peu. Voilà, Romain Grosjean, entre le Portugal et Imola, est en train d'affronter parmi les meilleurs simracers au monde, ainsi que des fans. Voilà, on monte un peu le volume et on en profite. A few words in English. So Romain is driving right now. His car is the RAG car. He's driving himself between two Formula One Grand Prix. He started sim racing 6 months ago with 3 races till now, 2 BMW 120 event with real racers in a very good split, and the 24 hours of Le Mans in racing when he finished fourth with his team. Romain is really doing himself. He's streaming at the same time. So yeah, it's difficult for him because many sim racers have a lot of experience with incredible e-rating. But he's doing a great job, and now he's just only a few tenths from a very, very, very good sim racers. And when you saw in the 24 Hours of Le Mans, many good drivers are far to the others. We saw Charles Leclerc was very difficult on e-racing for him, but Romain is in the pace. Yes, that's absolutely impressive and very positive to have that kind of driver, real drivers, in our sim racing environment, because it's a big value for this beautiful sport. C'est une valeur évidemment importante hein, que d'avoir ces pilotes issus du monde réel, hein, Sébastien, aussi pour ce sport qui, comme on l'a dit hein, un peu plus tôt, plus que jamais mis en avant depuis la période du confinement grâce au Covid-19, ou à cause, on va dire ainsi, entre guillemets, cette année. Donc c'est évidemment du positif, y compris pour les pilotes plus habitués de la plateforme. Ah oui, tout à fait, on a vu des superbes événements, les 24 heures du Mans virtuel hein, qui est composé de 200 pilotes dont 200 pilotes réels et 200 pilotes virtuels, et c'était vraiment un instant de partage un petit peu comme celui qu'on découvre ce soir. Voilà, on a de plus en plus de sim racers qui viennent de pilotes réels qui viennent sur la plateforme e-racing. On a eu beaucoup de grandes victoires de Lando Norris et de Max Verstappen, par exemple, pour les 24 heures du Mans l'année dernière. On a vraiment, on vit de très très belles choses en leur compagnie. J'ai eu l'occasion il n'y a pas longtemps de faire les 24 heures de Spa de cette année, et en split set, on avait Alonso et Barrichello qui étaient avec Oli Pacaré et le skin officiel. Désolé de vous couper, mais une bataille assez incroyable. Vous qui êtes des spécialistes de sim racing, Thibaut Casaubon contre Alexander Walters, c'est l'équipe. Alors là, on est quand même sur du très très lourd, effectivement, en termes de niveau, on est sur du top mondial. De pilotes qui font partie sûrement des 50 ou 100 meilleurs pilotes, on va dire, virtuels, hein, pour vraiment au bas mot, hein, parce qu'ils sont largement capables d'aller gagner des très très grandes courses. Et là, on va avoir une bagarre assez impressionnante, et je pense qu'ils vont se donner à cœur joie de se dépasser. Yeah, very impressive battle between two pro sim racers, Thibaut Casaubon, 18 years old, a specialist of racing with a rating more than 8,000, against Alexander Walters, so his teammate. It's nearly the best on racing at the moment. Thibaut just got the Porsche eSport Super Cup this season, perhaps the most competitive sim racing championship in the world, and like Alexander Walters, he's a really, really great Dominican driver, an incredible e-rating as well, and it's perhaps what's the best in the world today. Yes, that's very, very impressive. Yeah, at that point also, Thibaut Casaubon, who started, I saw him, grew up, I could say, 4 years, nearly 5 years ago. He was on Project Cars 1 or F1 2016 at that time, and since that he never stopped improving his level, and that's really, really impressive. And Alexander Walters also is a very, very good driver. Et oui, hein, on disait justement là ici en anglais,
Thibaut Casaubon, que, voilà, hein, qui est quand même d'un niveau assez impressionnant pour son jeune âge. Hein. Je me rappelle avoir vécu ses débuts sur F1 2016 à l'époque et sur Project Cars 1. Et depuis, il n'a jamais cessé de s'améliorer et toujours, on va dire, à fond dans l'entraînement et aussi pour donner le meilleur de lui-même à quel que soit le niveau, quelle que soit la compétition, Seb, aussi. Exactement, on peut se rendre compte déjà qu'ils ont déjà 8 secondes d'avance hein, sur leurs poursuivants, ces deux pilotes-là, on voit tout de suite une différence de niveau exceptionnelle. On peut aussi signaler que ouais, Thibaut, c'est vraiment un gros travailleur, toujours aller chercher le meilleur de lui-même. Et il fait partie de ces pilotes virtuels qui ont l'occasion de faire une passerelle vers le réel. Et comment grâce à, et puis là on va bien sûr poser la question ou demander des informations supplémentaires à Thibaut. C'est incroyable puisque Thibaut a fait un petit peu de karting pour dire la vérité, mais ce qui est le cas de la plupart des simracers qui adorent le karting. De toute façon, je pense que tout le monde ici est passionné du sport automobile, qu'il soit en virtuel ou en réel. Et bien Thibaut, effectivement, il fait une école de pilotage de Formule 4 et pour le moment, wow, il est troisième temps général sur plus de 40 pilotes. Dans le même dixième que des pilotes qui font du karting depuis plus de 10 ans. Donc encore une fois, la passerelle, elle est absolument incroyable. Et que ce soit Romain qui est pilote de Formule 1, 11 saisons de Formule 1 et qui fait du sim racing, et ben, il y a aussi Thibaut Casaubon qui rêvait de faire de la course automobile et qui aujourd'hui est un champion de sim racing. Mais qui sait, peut-être qu'il pourrait gagner un volant en Formule 4 et pourquoi pas relancer sa carrière. Donc c'est le virtuel et le réel, c'est pas opposer les deux, c'est d'aller ensemble, voilà. C'est exactement ça. Et je crois que voilà, Risto Capet aussi, qui est un de nos grands champions sur un facteur 2, est un très bon pilote de karting également, mais c'est le cas dans d'autres filières comme Red Bull, hein, qui a pris Fraga, qui vient de la simulation de course et qui a aussi fait du karting et qui a gagné un championnat de Nouvelle-Zélande et qui est aujourd'hui pilote Red Bull en Formule 3. Voilà. Donc on n'est pas sur des mondes différents. Là, c'est des différences physiques, mais au final, et ben, coup passé de l'un à l'autre, il se trouve que tout le monde est compétitif. Et c'est ça qui est génial. A few words about Thibaut Casaubon, who is doing a driving school, so he's a driver in Formula 4. He did absolutely amazing test. For the moment, he has signed the third best lap overall over more than 40 drivers. So perhaps he will win a season in Formula 4. So yeah, we have a Formula 1 driver like Romain who is very competitive in sim racing, but against a guy who is very competitive in sim racing, but are really able to sit in a Formula 4 car, which is a very difficult car, and he's able to be in the same tense than great car fan drivers. So yeah, it's not two words that we have to oppose. It's exactly the same. So it's the same passion. Motorsport is all about money now, and we have kids that don't have the money to get into motorsport, but they are very, very good drivers. C'est un vrai tremplin, on peut dire maintenant, le sim racing, pour passer du virtuel au réel. Et c'est vrai que là aussi, Thibaut, avec ce volant Field Racing, en tout cas, qu'il fait actuellement, espérons, croisons les doigts, évidemment, pour que un pilote issu de cet environnement du sim racing puisse ainsi accomplir ses rêves aussi de réel également. Donc on a quelques questions sur le règlement, effectivement. We had a few questions about the regulation. So yeah, it's a race for fun, even if we have some gifts from the sponsor and we'll talk about it a little bit later. So c'est une course de communauté, comme on dit, pour s'amuser, mais bon, c'est une vraie course, donc il y aura des petits prix à la fin. So c'est une course de 1 heure, 60-minute race in Spa-Francorchamps, as you can see. As you can see, the setup is fixed, avec donc setup fixe, pas de possibilité de réglage. Sur une Ferrari GTE, on l'a déjà dit, Ferrari GTE car, full tank, 100%. Voilà, donc on ne joue pas avec l'essence, 100% d'essence, comme on dit en Formule 1, avec le réservoir absolument plein. Et donc, Benji, effectivement, des équipes de deux pilotes. Donc comment va se faire le relais entre les pilotes? Alors donc il y aura un arrêt au stand qui sera effectué par les pilotes, et en fait tout simplement sur iRacing
Les pilotes rentrent au stand et si vous voulez, c'est le pilote qui relaie le premier qui, entre guillemets, l'éjecte, si je puis ainsi m'exprimer, de la voiture. Donc c'est-à-dire que le pilote premier rentre au stand, le pilote numéro 2 prend sa place en retirant le pilote de la voiture et donc en s'y installant, et puis ensuite repart, et ce, sans forcément que les pilotes soient dans la même position géographique. Donc c'est-à-dire qu'ils peuvent être à l'opposé total sur la planète, et bien ils peuvent prendre le relais de l'un et de l'autre ainsi. C'est comme ça que ça fonctionne sur iRacing pour des gros événements de Road Warriors, hein, on les appelle, tels que les 24 heures du Mans, les 24 heures de Daytona, les 24 heures de Spa, qui en général se font à des périodes proches des événements du même type réel. Mais voilà, ça donne une immersion ainsi au plus proche, tout simplement, et ce, même quand on est éloigné les uns des autres. C'est un principe assez innovant à ce sens, et ce depuis de nombreuses années, hein, Seb. Ouais, exactement, ouais. C'est vraiment un système qui est complètement abouti sur iRacing, qui a vraiment personne qui lui arrive à la cheville en termes de passage de relais. Voilà, la voiture, si elle est endommagée, elle reste endommagée. On va effectivement mettre un petit peu d'essence. Ah, oula, effectivement, il y a une petite touchette là. Oui, ça s'est frotté un peu là, oui. Avec Julien Sounen, notamment face à Quentin Vialat, si j'ai bien entreaperçu, ou Valentin Mandernac, en tout cas c'était très très chaud. Oh, là ça allait encore ici avec Florent Lebigre et Julien Sounen. On peut parler de ces pilotes qui sont aussi très très jeunes, c'est impressionnant. Oui. On a Quentin Vialat qui doit avoir dans les 15 ans, il me semble. Julien Sounen, 17 ans, Florian Lebigre, 17 ans. On a vraiment, en France en tout cas, une pépinière de très 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 bons pilotes de Team Racing. On a beaucoup de questions sur le classement de Romain. Pour l'instant, donc, il conduit la R8G eSport qui est en 15e position. Avant le début de course, on va donner un petit peu les coulisses parce qu'on est là bien pour sûr partager. Romain a pris la parole et, en disant « j'ai pris cher en qualif ». Eh bien, pas tant que ça, puisqu'il était à 3 dixièmes de Martin Van Leeuwenhoord, qui est un de nos autres grands pilotes pilotes professionnels e-racing. Donc effectivement, Romain, comme tout sportif, n'aime pas se faire battre. Donc il est là pour être devant, mais bon, pour l'instant, il est 15e. Pour revenir sur les chronos, là, il y a eu 3 séances de pré-qualification, parce qu'il y a eu beaucoup de participants, plus de 80. C'est Thomas Petitjean qui a réalisé un 2:12:277. Pour l'information générale, on a demandé à Alexander Wolters de faire une petite vidéo pour les réseaux sociaux. Il a réussi un 2:11:848. Ouais. Et Romain a beaucoup travaillé pour être dans l'équivalent des 2:13:214. Avec la majorité des pilotes. Et là, on voit aujourd'hui qu'en course, c'est un bon temps et qu'aller chercher, c'est comme le reste, aller chercher les derniers dixièmes, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Puisque Romain arrive du Portugal, il a allumé son simulateur un tout petit peu lundi, mardi et aujourd'hui, et qu'il part à Imola demain. Donc, c'est vraiment courageux de sa part. Et on a vu Martin Leeuwenhoord à l'écran, voilà, qui est un Hollandais. So, yeah, a few words about Romain is P15 at the moment. So as we said, yeah, just to give you an idea about the backstage of REG Esports, he was in the Discord just before the race and said, okay, it was difficult in quali, but it was just 3/10 away from Martin van Leeuwenhoord, which is a professional sim racer, so it's just nothing. For sure, Romain wants to beat everyone. He wants to be first. As an example, the pole position during the pre-qualifying session was Thomas Petitjean, with a massive lap time of 2:12:277. And we asked Alexander Wolters to do a lap for the social media, and he set 2:11 laps. So yeah, Romain is fighting in the zone of 2:13:214, which is great, like everybody else. Improving all the time, but for sure, it's like everything else, it's practicing and experience. C'est ça, l'entraînement et l'expérience qui prime, aussi bien dans ce domaine du sim racing, évidemment. Hein, et ça, Sébastien, évidemment, les heures et les heures d'entraînement que certains peuvent passer pour des compétitions majeures aussi, forcément, c'est un investissement, on va dire, financier, iRacing par exemple, hein, mais c'est aussi un investissement humain. Oui, complètement, en termes de matériel aussi, hein, on peut aller de... Voilà. De l'équivalent de 200 ou 300 € pour le volant pédalier, et on peut dépasser largement les 6, 7, 8 000 euros, et
après ça peut aller très loin en termes de qualité de pilotage et d'information qu'on le pourrait avoir dans les mains, ça devient très très proche de la réalité et ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, la passerelle est d'autant plus évidente aujourd'hui que les simulateurs sont devenus très très performants. Few more questions, Pipines. There are only Ferraris in this series. Yeah, so we made a choice to. It's not a series. It's a community event. Just to share some nice moment with Romain between two Formula One Grand Prix. So yeah, our choice was to choose a Ferrari, but it could have been a Corvette or a Porsche with a fixed setup. We don't want to have a difference. Just because a simple racer know exactly how the dynamics of the car is, so it's just for fun. So yeah, perhaps next time for the second year when we will do another cup, it will be LMP2 or a GT or a BMW or a Mercedes. So voilà, effectivement, on nous pose une question sur oui. pourquoi des Ferrari. Donc voilà, encore une fois, ce soir, ce n'est pas une série, c'est un événement voulu par Romain pour partager. Et, vraiment très content d'avoir créé une équipe e-sport. Donc le choix a été fait de prendre des Ferrari setup fixe pour qu'il n'y ait pas des différences parce que je peux vous dire que les simracers travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup les setups et font énormément la différence aussi là-dessus, mais c'est comme tout dans tout le sport automobile. Donc voilà, les voitures sont les mêmes. Il était hors de question d'avoir une voiture plus performante. C'est un peu le rêve qu'on voudrait dans le réel. Et Romain fait une interview cet après-midi avec un média belge qui voulait parler de team racing. Et voilà, c'est un peu aussi le fantasme de tous les pilotes de se retrouver avec la même voiture. Malheureusement, la Formule 1, si vous avez une Mercedes, c'est sans doute plus facile que quand vous avez une Williams, qui n'enlève rien au talent de Lewis Hamilton, qui est un champion absolument incroyable. Mais là, aujourd'hui, tout le monde a les mêmes voitures. Ouais, c'est ça, on va dire. Il n'y a pas possibilité de, entre guillemets, avoir le règlement contre soi parce que tout le monde est logé à la même enseigne. Voilà. Donc, Exactement. Tout ça, en plus, on peut aussi signaler que e-racing, qui est forcément très proche de la réalité, a aussi des bops régulières qui vont favoriser sur tel ou tel circuit, telle ou telle voiture. Donc ça aurait pu aussi créer des différences de performance en faisant un multiclass sur cet événement. Donc c'était vraiment, effectivement, comme on a bien signalé, un souhait de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Question about the partners. No. Praga is not the only partner of the team, so we have 8 partners in the team. Praga Cars, Predator Gaming, Iban First, SoccerCoin, TeamLab, MindMaze, GoPro and Richard Neal. So we really wanted to give back to the partners with the skins of our partners, so it's very important. Like, they are really pushing with us on social media. We will have some gifts, so we'll talk about it a little bit later, but yeah, it's very important to have those partners with us. So, oui, donc effectivement, il n'y a pas que Praga comme partenaire de l'équipe. Il y en a 8, d'où les 8 décos, les skins, comme on dit aujourd'hui. Bastien Matler, effectivement, on a vu une bonne période à 3 de front hein, dans la montée de Kemmel juste avant les combes. Et là, malheureusement, il y a eu touchette pour Bastien Matler. Et du coup, justement, une Richard Mille qui permet de montrer les sponsors. Donc voilà, les 8 sponsors de l'équipe. Bah oui. GoPro, Richard Mille, SimLab, MindMaze, Iban First, SoccerCoin, Praga Cars et Predator. Voilà, des partenaires qui aident beaucoup l'équipe, qui nous aident à développer les réseaux sociaux, à faire encore plus de partage. On apprend aussi tous à découvrir ce nouveau monde. Et quand on voit les chiffres extraordinaires de fréquentation des 24 heures du Mans virtuel, et ben voilà, tout le monde s'y met, donc on a voulu rendre hommage à ces partenaires qui nous aident. Et pendant ce temps-là, during that time, Alexander Walters overtook Thibaut Cazobon. Il y a eu dépassement d'Alexander Walters sur Thibaut Cazobon il y a quelques instants d'ici, changement de leadership. Bon, après, équipier, mais on va pas se faire de cadeaux pour autant, attention. Oh là là, puis je pense qu'ils sont en train de passer un très bon moment. Oui. Il y a aussi des petites combines, on va dire, hein, d'économie de carburant. Sur ce circuit-là, c'est assez percutant. En restant derrière, on peut relâcher l'accélérateur
très rapidement avant les freinages, et du coup récupérer quelques litres de carburant, et du coup diminuer un petit peu son arrêt au stand et gagner quelques secondes au stand. La petite anecdote, c'est que Thibaut Cazobon a été champion de France avec cette stratégie derrière Jérémy Boutou pendant toute la première moitié de course, et il a gagné 3 secondes pendant son arrêt au stand et a pu ensuite se sortir de l'aspiration et pouvoir gagner ce titre qui était très convoité, souviens-toi. Et là on voit d'ailleurs, il était très très proche avec l'aspiration d'Alexander Walters, mais il ne l'a pas dépassé pour autant, justement dans cette optique d'économie, certainement. Exactement. So we have a great fight between two teammates in sim racing. They are used to race together on e-racing, as we said many times before. Their e-rating are just amazing. We will talk a little bit later with Stefan Kosch about what the e-rating is. Yes. For example, they did Le Mans together with Romain on e-racing, with Ricardo Ferreira and Romain Grosjean. So they are used to it. They train together for the Porsche Esports Cup next year. So they are driving all the time together, and the battle is really great. Beautiful to see that. Oui, c'est vrai, c'est magnifique de voir ça. Alors on va signaler aussi que Romain Grosjean a fait un dépassement il y a quelques instants sur Richard Hennetier, qui est sur la Mindmaze 2 face au pilote de la RVG Esports Cup, évidemment, donc équipage dans lequel on retrouve Romain Grosjean. Alors dans quelques instants, on va voir certainement des changements de pilote, hein, parce qu'on approche de la demi-heure. Donc, Alors il y a un petit point de règlement qu'il fallait signaler. Les pilotes sont obligés de réaliser 25 minutes chacun, c'est-à-dire que le pilote, on va dire peut-être un peu plus faible de l'équipage, sera obligé de rouler 25 minutes. C'est-à-dire que depuis 2 minutes, on est rentré dans la fenêtre d'arrêt au stand qui va durer à peu près 10 minutes. Quand il va rester plus que 25 minutes, normalement tous les pilotes auront pris le volant de leur équipier. We just saw the overtaking maneuver from Romain Grosjean is now P12. So it's is really moving forward in the standings, in the classification. So the pit window will start quite soon. In the regulation, every driver has to do a minimum 25 minutes stint in the car. So Romain Grosjean is fighting hard with his REG car, and don't be afraid, he will come back in vocal in a few minutes to explain his first stint and to exchange with you and to take some questions and answer all you want to know. Yes. So stay with us. Don't move anywhere tonight. You are at the right place. I would like to say, vous êtes au bon endroit. Ne bougez pas d'ici parce que vous allez avoir le privilège d'avoir Romain Grosjean au commentaire. J'ai presque envie de dire un petit peu avec nous, Thibaut et Sébastien. C'est un privilège là qu'on a le droit ce soir. Ah oui, totalement, c'est toujours un plaisir de partager un petit peu ces moments-là avec Romain, c'est un vrai privilège, et là on va pouvoir discuter un petit peu de sim racing avec lui durant cette fin de course, quand il va passer le volant au chanceux hein, qui a eu l'opportunité de pouvoir partager le volant de Romain, c'est Stéphane Desclos, un pilote de la Rebirth. C'est ça. Alors que pendant ce temps-là, les arrêts au stand sont en cours. Vous voyez, hein, on a Thomas Abour hein, qui a pris le relais sur la IBAN First 2. On a Cédric Bollen sur la Richard Mille. Cédric Bollen qui connaît bien ce circuit, vainqueur des 25 heures Fun Cup, notamment à plusieurs reprises ici. On a également Mathieu Gauthier Thornton qui se fait relayer par Eran Jadowski sur la GoPro One. Et puis on a Thomas Petitjean qui a pris le relais de Stéphane Plat sur la Soccer Coin One. So as you can see, there is a lot of action in the pit between the driver swap. So we can notice a guy called Eran Jadowski is now on track. Eran is one of the best driver sim racer in the world, but in another platform, Air Factor 2 is winning nearly everything. He's the Lewis Hamilton. He is now on track of Air Factor 2. He is tonight with us on e-racing. We try to ask him at the end of the race what's the difference between the two platforms. A major difference between the two platforms. But Aaron, it's massive curriculum. You know, he's world's fastest gamer finalist, McLaren Shadow, runner-up, all-star race champion, leader of the GT Pro Series. 2 days ago, he signed the pole position. He won the main race and the sprint race, so he's very, very dominant. And now he's tonight on racing.
Ça fait rêver, hein, des CV comme cela. Ça fait rêver, vraiment. Et Thibaut qui est repassé devant Alexander. Thibaut overtook one more time Alexander. Ah, il va leur rester 5 minutes de course, un grand maximum, ouais, hein, pour rester dans le règlement. Donc on va dire un ou deux tours de bagarre entre ces deux coéquipiers de très très haut niveau. On est tenté parfois de rester un peu plus, mais non, il faut laisser la place à son petit camarade aussi. Hein. Il y a beaucoup de bagarres, en tout cas dans le peloton. Hein, Ouais. On parlait justement de l'arrivée du début du relais d'Erandjewski, dont la particularité est d'être un pilote Air Factor 2, puisque le Team Racing a plusieurs plateformes, plusieurs jeux. Et Eran est juste un pilote extraordinaire de Air Factor 2, finaliste du World Fastest Gamer, vice-champion du McLaren Shadow, champion du All-Star Race cette année et leader du GT Pro Series. Voilà, il est passé aujourd'hui sur e-Racing, des différences de plateforme. On aura peut-être le temps d'en discuter un peu plus tard avec Stéphane Koch ou même Romain qui s'est essayé aux deux jeux et qui peut faire largement e-Racing et Air Factor 2. Vraiment deux écoles assez différentes. On est super content d'avoir Eran qui est vraiment sans doute un des cinq meilleurs simracers au monde aujourd'hui. Ouais, ça, c'est une valeur sûre, effectivement. La Praga Official in the pits, Praga Official donc au stand. On a également la Richard 1003 qui vient de s'arrêter avec Selim Kasser qui a pris le relais sur cette voiture qui était pilotée par Bastien Matler, pilote de la Monaco eSport. Ensuite, on a également François Kahn qui a pris le relais sur la Praga 2, Bastien Vio qui est sur la Soccer Coin 3. Et puis pour l'instant, voilà pour où on en est pour les changements. La Simlab 3 qui est au stand et la Praga officielle, donc je l'ai dit. Et Romain au stand. Ouais, là je pense que tout le monde va s'arrêter sur ce tour-là. Il reste encore 15 voitures à s'arrêter. Ça va être le balai dans les stands. Je me demande si Yuri Kasdorp va prendre le volant, parce que Yuri est également un pilote Air Factor 2, mais qui est beaucoup plus habitué à. Il est déjà là, donc voilà, vous voyez, je ne l'avais pas vu prendre la piste, mais effectivement, Yuri Kasdorp is an Air Factor 2 sim racers as well, and you can see him on track. He's more used to e-racing than Eran Jajowski, but yeah, it's coming from another platform and very, very competitive, even if the platform are really, really different in terms of dynamics of how the car is behaving on track. We saw that during the 24 hours of Le Mans this year. We had a virtual race on Air Factor 2 and 1 week after on racing, and it was not exactly the same way to drive the car. So, it's nice to have Yuri on board as well. Yes, Yuri qui a déjà un très très bon niveau sur e-racing et qui roule sans arrêt. Alors justement, peut-être qu'on peut donner un mot sur ce système de e-rating. Voilà ça. Ça correspond à quoi et dans la réalité, est-ce qu'on peut faire un parallèle? Oui, bonne remarque, effectivement. Alors l'e-rating, en fait, ça correspond au niveau du pilote. Ça va être basé totalement sur ses résultats. Mais alors, il va prendre un certain nombre de points en fonction du niveau qu'il a par rapport à la moyenne des pilotes qui composent la grille. En soi, chaque pilote va avoir... c'est pas le cas pour des équipes... des courses en équipe, mais quand on est en course solo, on va avoir un numéro qui correspond à notre niveau sur la course. Si on est 20 et qu'on a le numéro 18, on va pouvoir prendre énormément d'e-rating si on fait un très bon résultat, et on perdra très peu si on fait un résultat qui correspond à ce qu'on aurait dû faire par rapport à notre niveau. À l'inverse, des pilotes comme Thibaut Cazobon qui vont s'aventurer sur des courses lambda entre guillemets à niveau moyen, si jamais il a le malheur de ne pas la finir, il peut perdre énormément d'e-rating et il faudrait à peu près l'équivalent d'une quinzaine ou d'une vingtaine de courses pour récupérer ce qu'il aurait perdu sur sa course. Donc on est vraiment sur un système qui est en fonction des résultats, mais le nombre de points que l'on prend sur chaque course est aussi en fonction de la valeur de la course à laquelle on participe. Donc c'est pareil, c'est un système qui est totalement adopté par l'ensemble du sim racing et approuvé, et beaucoup de concurrents tels que Project Car ou Assetto Corsa ont essayé de faire des choses qui se rapprochent, et malheureusement c'est jamais aussi fiable. Là on a des gros soucis dans les stands à l'entrée des stands. J'entends effectivement quelques bruits d'incidents là dans la pit lane. Il y a eu un spin, du coup une voiture en travers et quelques contacts.
Aïe, 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 dommage, hein. Il faut faire attention parce que les voitures ne sont pas en mode fantôme, contrairement à certaines simulations ou certaines licences de sim racing plus grand public. Mais toujours est-il que voilà, il faut rester prudent jusqu'au bout. Alors, je crois que nous avons un invité qui vient d'arriver dans Ah. la cabine de commentateur virtuel. Nous sommes Je me tous à des promène, endroits je me complètement promène, je fais comme chez différents. moi. Ah bon? T'es un Je fais petit peu comme chez chez toi moi. quand même, Romain. Mais il a raison, il a raison, il en profite, il a tout à fait le droit, Romain, qui vient de sortir donc de son cockpit virtuel, mais il est toujours dans le cockpit, hein. Là vous le voyez ici, réel qu'il a chez lui, hein, ici actuellement. Bon ben voilà, après cette bonne demi-heure de roulage, bon ben le ressenti après cette Écoute, c'est génial. petite C'est course. génial parce qu'il y a dans le sim racing, il y a un truc pour le moment qui est encore pas tout à fait contrôlé, c'est le respect entre les différents pilotes. Si tu veux, sauf sur les courses officielles, mais des fois Bien sûr. tu te fais couper en deux avant même le premier virage. Ah. Et là, comme on est vraiment tous venus pour faire une bonne soirée et avoir du fun, les dépassements étaient top. J'ai fait des virages côte à côte avec d'autres pilotes et vraiment, on s'est bien éclaté. Alors, je me suis pas arrêté au bon endroit au stand, du coup, on a perdu un peu de temps. Ah. Mais sinon, écoute, c'est super. Avec Stéphane, on s'amuse bien. Et puis, il y a une vraie belle bagarre enfin, partout. C'est super cool à voir. Le spectacle est là, ça c'est évident, Thibaut. Yes, so we are very lucky to have Romain just after his sim, yeah, is in the virtual commentary booth. So Romain, we have a lot of questions in your Twitch channel Go ahead, fire up. about sim racing. So first of all, how was your stint? Yeah, it was good. I completely messed up the first go at Eau Rouge, so I picked up a slowdown, which did put us dead last. But after that, I must say that because everyone is here for fun and there's a lot of respect between the drivers, and something that sometimes I'm struggling a little bit in sim racing, where you get pushed off the track. Hey, everyone respects a lot, and it's actually very, very nice to race with everyone and to be side by side, and knowing that the guy is just gonna leave you enough space for you to have fun, and for him to have fun. Alors beaucoup de questions sur ton côté compétitif, voilà, sur les chronos. On l'a rappelé pendant que tu roulais, hein, tu as déjà fait trois courses de sim racing, deux BMW 120 et excusons du peu les 24 heures du Mans sur les racing avec Wolters, Ferrera et Casobon. Donc t'es pas dans des splits dans des splits 50, hein, tu es vraiment face au meilleur. Voilà. Si tu devais faire un point aujourd'hui sur ton niveau, voilà, où sont les derniers dixièmes, comment tu te juges dans le virtuel? Alors, les derniers dixièmes, j'ai aucune idée d'où ils sont, mais ils sont là. Il me manque en général entre 7 dixièmes et 1 seconde. Et là, en qualif, c'était encore le cas. Par rapport à Petit-Jean, Casaubon, Wolters, ils m'ont mis 8 dixièmes en qualif. Et c'est la punition habituelle. Je pense que ce qui me manque, c'est le côté réalisation. Savoir à quelle vitesse je rentre dans un virage. Puisque normalement j'ai les sensations extérieures, et c'est vrai qu'en sim racing, le côté vitesse est un petit peu plus difficile à juger. Après, plus je roule, plus je m'améliore, plus j'arrive à être constant, et plus je roule avec eux, plus j'apprends des choses. Mais c'est vrai que ça prend énormément d'énergie, de temps, et de discipline pour rouler bien. Alors, on est aussi là pour partager des coulisses, c'est ça qui est vraiment extraordinaire de t'avoir sur Twitch. Voilà, dès que tu es rentré du Portugal lundi matin, tu as allumé le simulateur, tu nous as appelé, tu as dit, ah les gars, je suis plus loin que ce que j'imaginais, tu as travaillé. On parlait des chronos qui avaient été réalisés. Thomas Petitjean qui a réalisé un 2:12:277 lors des pré-qualifs. Alexander Wolters pour nos réseaux sociaux a fait un 2:11. Si tu devais nous parler de tes chronos voilà, aujourd'hui, tu te situes dans quelle zone? Écoute, j'ai roulé avec Thibaut Casaubon qui est venu me faire une petite séance de coaching. Et il a roulé en 2:12:08 quand on roulait. Moi, j'ai fait 2:13:0, mais j'étais à son aspi. Du coup, sans l'aspi, je pense que je faisais 2:13:5 et lui 2:12:08. Donc voilà, il y a les fameux 7 dixièmes dont on parlait, qui sont très durs à aller chercher, mais qui font que c'est des professionnels. Et autant quand on connaît pas le e-sport, on peut se dire ouais, c'est juste jouer à un jeu vidéo. Une fois qu'on s'y est mis et qu'on a vraiment voilà, qu'on s'y met bien et qu'on analyse les choses et qu'on essaie d'être professionnel, on se rend compte que
c'est un sport avec des demandes alors physiques moindres, je dirais, par rapport à de la Formule 1, c'est sûr, mais avec des demandes cognitives, de concentration, de coordination et tout, qui sont assez importantes. Yeah, so a lot of questions about the difference between driving in real and virtual. We were talking about the difference in lap times against incredible drivers like Thibaut Casaubon with an incredible e-rating. So yes, Romain, for the moment, what is the main difference between pro sim racers and pro real racers? Well, it's, you know, I think obviously when you're racing in real life, you've got the sense of speed from the outside. But when you're racing into sim racing, you don't really feel that speed. And therefore, to me, it's a bit more complicated to know exactly which speed I'm carrying into the corner. And very often, I either overdo it or underdo it. So, yeah, I think I am about 7 tenths slower than the fastest gamers, which is not bad at all. But it's 7 tenths that I always hear that I'm struggling to get to understand, you know. But obviously, I don't train as much as they do. But yeah, I think it's you know, as much as you can imagine, it's just a video game. It's actually, when you get serious, it's very hard, and it's a proper sport. I mean, not in terms of physical activity, but in terms of cognitive response, focus, and so on. Did you use the sim racing for Portimao and Imola? Yes. So I didn't know Portimao at all. So the boys told me to download another game that we normally don't play on, but they say that was the best kind of layout to learn. And then Imola, that I have been driven on some years ago. Now I use the Formula Renault 3.5 or the LMP2 car, and I do some lap in Imola, and that's how I practice for the weekend. Et en plus de ça, Imola, avec une victoire, tu as rappelé ça sur ton Twitter cet après-midi, me semble-t-il. Mais GP2, non? GP2, ouais, Asia, ouais, si je dis pas de bêtises. Exactement, il y a 9 ans, j'avais fait pole position, meilleur tour en course, victoire, et j'avais été champion GP2 Asie. Et alors, oui. Pourquoi l'Asie? Parce que on était là-bas quand le printemps arabe a explosé à Bahreïn, enfin dans le Moyen-Orient. Ça. Et du coup, on avait dû être rapatrié et on avait fini le championnat à Imola. Allez, ouais, donc Romain, on parlait de Portimao et d'Imola. La question en anglais était, est-ce que tu as utilisé la simulation de course, ton simulateur SimLab que tu as chez toi avec l'ordinateur Predator? Tu as vraiment un matériel extraordinaire de haut niveau. Est-ce que tu as utilisé ces plateformes pour préparer à la fois Portimao et Imola? J'imagine que tu pars à Imola demain. Oui, effectivement. Donc, j'ai la chance. On a la chance avec l'équipe d'avoir des super partenaires, et notamment les ordinateurs Predator et les châssis SimLab. Et c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Et du coup, oui, ça me permet de. J'arrive à m'entraîner et à m'entraîner avant les courses dans le simulateur avec différents jeux en fonction des circuits. Mais là, typiquement, Imola e-Racing, le jeu est dans le circuit est dans le jeu. Et puis, comme je peux rouler avec une Formule Renault 3,5 L ou alors une LMP2 ou même une GT, ça me permet de m'habituer un petit peu déjà au circuit. Et demain, dans la journée, j'en referai pour m'habituer et pour être prêt. Ah, désolé, on commente pas beaucoup la course, mais c'est tellement génial. Alors, Jajowski, c'est assez top. Parce que E-Racing, c'est pas du tout E-Racing. Ce qui est bien ce soir, c'est que voilà, on a pris tous nos gamers et on leur a demandé de venir se joindre à nous. Et Eran, typiquement, ne connaît absolument pas le jeu. Donc, c'est pas simple de passer le R-Factor 2 et E-Racing. Et on est en train de se faire une belle bagarre avec lui, c'est top. Alors, on va parler de ça dans 2 secondes. Alors, on est aussi là pour partager toutes les coulisses du Sim Racing. Et là, il vient de se passer un truc incroyable. C'est que il y a un système dans le jeu pour mettre les skins, ce qu'on appelle les décorations des voitures. De temps en temps, ça disparaît. Et alors, les décorations ont disparu 30 secondes. Et devinez qui était en tête de la course? La personne qui a décoré. Eh ben oui, Fabien Taracchi. Oui, exactement. J'allais alias le car design. Il est fort. On parle un peu alors, de la communauté. Fabien, effectivement, fait beaucoup de design pour du virtuel, mais aussi pour du réel. Et il est co-présentateur de l'émission E-Race sur ES1. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est complètement investi dans ce monde-là, au même titre que Stéphane Koch.
Ça s'invente pas quand même. D'ailleurs, je dois vous avouer un truc, je suis très très fâché de me faire battre par Stéphane Koch en ce moment même. Sans la revanche annoncée. C'est clair, c'était mon objectif absolu de la course. Et il est 5 places devant nous et je le vis assez mal. Je te dirais qu'il s'est beaucoup entraîné lui cette semaine là où tu n'as pas pu le faire. Il a 19 incidents, du coup ça se trouve qu'il va prendre un stop and go. Ah, attention. Exact. Ouais, je vais me méfier des informations données par le JRT, mais s'il a 19 sur le JRT, c'est qu'il est pas loin du maxi. Je crois que le maxi c'est 15. C'était 17. 17, ouais. 17 maxi, et après tous les 5, c'est une pénalité en plus. Donc, un stop and go, exact. Alors, faut savoir aussi qu'en plus, ce circuit-là est très exigeant en termes de trajectoire. Le Spa sur e-racing, dès qu'on dépasse un petit peu, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu voir le week-end dernier, par exemple. Moi, j'ai des petits problèmes avec les track limits d'une manière générale. Mais non, écoute, Spa, c'est vrai que ces vibreurs sont tellement accueillants et tentants. Mais e-racing est beaucoup moins content. So, yeah, we. There is a Nico Rosberg in the stream chat said you will be 10 time world champion in a Mercedes. So I don't know if it's the real Nico Rosberg or a fake one, but just a few words about Formula One. We are not here to, but I have to say that there is a lot of message in the chat about the news you are coming out last weekend about the fact that you will leave us. So just a very quick word on that, because we are not here to talk about it, but I'm sure it's interesting and it's very moving from you to read all the message. Yeah, it's been beautiful to see all people, you know, because normally on the social media you've got a lot of haters and a fair bit of fans, but also a lot of haters. And when the news came out, people were actually very, very much, you know, very nice and very supportive, and I think I have a personality that you like or you dislike, and I totally accept that. But people were saying that I would miss Formula One, would miss me because I say what I think, and sometimes it's not very well seen. But this is me, and I accept it to be like that. So yes, for sure, it's a big change in my life and in my career. But I'm sure there's also some good and fun stuff to be made. Exactement. Moi, je peux un petit témoignage personnel. J'ai été journaliste pendant un petit moment, donc. Il m'aimait pas. Comment? Tu m'aimais pas. Ah, ça sort des dossiers, visiblement. Bon, d'accord. je charrie un peu mon Thibaut parce que Thibaut, il faut savoir que la parole est à la défense. Sans lui, sans Thibaut, l'équipe RMJ Sport n'existerait pas. Sans lui et sans Stéphane, et du coup, c'est vrai qu'on a, sur ces derniers mois, on s'est au téléphone plus que n'importe qui, et du coup, c'est vrai que on a partagé, on a deux vies communes, je dirais, la Formule 1 à l'époque et aujourd'hui le e-sport. Alors, on a retrouvé une photo de 2006. Je me souviendrai toujours. J'étais allé suivre un stage de préparation physique de l'équipe de France. C'est vrai que je n'avais pas forcément suivi l'éclosion de ce jeune pilote, et on nous avait dit qu'il y a un Rocketman, et il était incroyablement rapide. Et effectivement, j'ai eu la chance de le suivre en Formule 1 avec des hauts et des bas, mais Romain est bien placé pour le savoir. C'est un monde de dingue. Et voilà, et c'est bon, une petite touche personnelle, mais très content de travailler avec toi là-dessus. Et effectivement, tu es un pilote extraordinaire, et je suis sûr qu'il y aura d'autres belles courses dans le futur. Exactement. Et tu sais, ce qui est marrant avec le Sim Racing, c'est que cette année, j'ai fait les 24 heures du Mans avec Ricardo, Alex et Thibaut. Et ça m'a donné, ça m'a redonné l'envie à très court terme de refaire les 24 heures du Mans, parce que c'est une des plus belles courses qui existent. Et ne serait-ce que de l'avoir fait en virtuel, les sensations étaient géniales. Donc voilà, si ça se trouve, si je switch directement à l'endurance sur le futur, ça sera un peu grâce à RBJ Sport et aux 24 heures du Mans virtuel. Quel honneur pour notre passion. C'est ça. Je tenais à signaler aussi que de voir Romain ou même Thibaut Larue intégrer un petit peu le sim racing et apporter tout le professionnalisme où ils font preuve, c'est vraiment intéressant pour l'ensemble de notre communauté et pour tous les sim racers, et on vous remercie énormément. Ouais, c'est clair. On n'est que preneur de cela. Oui, Thibaut, je t'en prie.
Yeah, coming back to what you said, Romain, about Aaron Wojcicki. So there is many platforms in sim racing. So as you said, Aaron is a great R Factor 2 driver. So did you have a taste of all the platforms? Why do you prefer iRacing compared to Raceroom, Assetto Corsa, or R Factor 2? So, initially I started a little bit with Assetto Corsa, but then very quickly switched to iRacing because that's where we had a lot of drivers. And just because the amount of races was very easy to get into a race at the beginning versus R Factor 2, that it's a bit more complicated in terms of finding a race. But I'm starting to train a little bit on R Factor 2 because we're going to be joining the World EX Championship next year with Aaron Wojcicki as a teammate. So we'll be sharing the team. And therefore, I need to practice. And I did a little bit last week, for fun. And I must say, R Factor 2 has got also some great characteristic. Maybe the graphics are a little bit less good, but the cars are very nice to drive. So I'm getting into learning more and more games. And and e-racing initially is because you have a race every hour. And you've got a lot of different cards, and it's quite easy to access when you have the full game. Et tiens, en parlant d'iRacing un tout petit peu, c'est vrai que c'est une question qui peut être soulevée. As-tu déjà testé la Formule 1? Bon, certes, qui date d'il y a quelques années, c'était une McLaren de 2015, mais est-ce que tu as déjà eu l'occasion de la tester ou pas du tout jusqu'ici? Alors, pas vraiment. Pas vraiment pour la simple et bonne raison que quand je joue à iRacing ou à Factor 2, je préfère rouler avec des GT. Mmh. Ou les protos. Et la Formule 1, comme je la connais tellement bien, oui. En vrai, ça va tout de suite me paraître un petit peu moins réaliste. Mais allez, la prochaine fois, on fait un petit truc ensemble et on fait un test de Formule 1 ensemble, une première. Ah, le message allez. Est passé. Le message est passé. On peut organiser ça avec plaisir. Quand on se fait, un jour, on se fait un petit live et puis on va découvrir la Formule 1. Et tu choisis le circuit, je t'emmène et on voit ce qu'on peut faire. Eh ben, ça c'est une invitation qui se refuse pas, hein. Ça c'est clair et net. Alors que là on voit sa bataille bien entre justement Aaron Wojcicki et Thomas Petitjean. Là sa bataille pour la 12e place, hein. Pour l'instant c'est la Simlab 1 de Tobias Rohner qui est actuellement en tête devant Alexandre Deletras pour la Group Pro 3. Fabien Taraki, dont on parlait il y a quelques instants sur la Mind Maz 1, est en 3e position. Valentin Emre sur la Praga 1, 4e. Et puis pour compléter le top 5, Cédric Bollen avec la Richard 1002. C'est Eric Bollen qui a l'occasion de rouler très souvent en réel pour souvent les Fun Cup, il me semble. Bah c'est ça, les 25 heures Fun Cup, ouais. Il a déjà remporté plusieurs fois. Bon, c'est pas tout à fait exactement. La même catégorie de voiture que celle de ce mais soir. C'est du réel. Mais voilà, c'est ça. C'est de l'expérience de prise sur ce magnifique circuit de Spa-Francorchamps en tout cas. Et là, on va continuer de suivre un peu ce groupe, hein, effectivement, parce que de la 12e à la 16e place, hein, allez, avec justement ta voiture, Romain, pilotée par Stéphane Desclos, actuellement 15e, bah, il n'est pas très loin de Johan Lacusca, hein, sur la Praga 3 qui le précède. Peut-être une place, allez, encore à aller chercher, on ne sait jamais. Je regarde un petit peu les chronos. Sur le tour précédent, il a tourné 3 dixièmes plus vite. Bon, il a fait un 2.14.7. On est dans le match et devant nous, écoute, aussi en termes d'incidents, ça chauffe derrière nous aussi, donc on verra la fin de course que ça donne. Oui, effectivement, ça peut avoir une grosse influence sur les classements, sur les derniers tours. On peut avoir beaucoup de passages au pit. Aïe, Stéphane Koch à l'envers là, à la sortie du l'ex-pit stop. On a vu le sourire de Romain. Ah, ça y est. Pardon, c'est très moche. Alors, après moi qui ai pris un tacle dans la gorge, Stéphane Koch. Je pense que c'est chacun son tour, visiblement, ce soir. Hein. Bah, ça reste bon enfant et c'est ce qu'on aime aussi, hein, voilà, dans ce genre d'événement, résolument fun, comme on l'a dit tout à l'heure, et on l'a répété, mais voilà, c'est... chambrage bien comme il faut. Yeah, just to explain to the foreigners, thanks yes. for following us. The boss of the team, Stefan Koch, made a spin. As you can see, the reaction of Romain was just funny. Don't joke, Stefan, or just kidding. More seriously, Romain, you have Thibaut Cazobon in your team. He's doing a great job in a Formula 4 car in a driving school.
So yeah, as you said, you are a real racer coming into simulation, but we have as well a sim racer who is able to do great things in reality. Just a quick word about Thibaut. Yeah, for sure, that's mega. I mean, by building the team, we want to bridge the real versus sim experience, and I believe the guys know in sim racing they really need to be precise, and you know the driving is very high standard, and therefore I think it's a really good school for real racing. And Thibaut is doing great. He's doing the Feed Series, which is a driving school, and is top three all the time. So I really hope we keep pushing in that aspect, and we get the chance eventually to get the drivers, you know, into real cars. Obviously, this year with COVID, it's very complicated and very tricky. But this is my goal: is to get some of the drivers into a proper car or karting, and go together and have some fun. And if there's any opportunities for the guys to do great stuff, then we should look at it and do it. Because at the end of the day, it's all about passion and talent. So wherever you drive, I'm sure, like a young kid, Romain, you really wanted to go to Formula One, and you did it. And there is other kids that have the same dream, and so at the end you are all the same. Yeah, exactly. I mean, it's very, you know, it's beautiful to have a dream, and I think if you succeed in that, it's one of the most incredible thing on earth. And the guys, obviously, they seem racist, but not all of them, because some don't really want to come to real racing, but most of them would like to, and I know how tricky it is to get to real racing. I know how expensive it is, and that's why if we can push sim racing and finding the talents early on by that way, and then being able to put them in a car, it would be incredible for their development, and I would be very proud of that. Croire en ses rêves. C'est vrai que c'est incroyable. On pourrait croire que c'est deux mondes qui ne s'aiment pas dans l'absolu, et en fait c'est deux mondes qui se respectent, et c'est vraiment un partage extraordinaire. Et on en a déjà parlé plusieurs fois, alors on a eu la chance de faire des lives avec Romain, mais voilà, tous ceux qui ont un peu connaissent l'histoire du sport automobile se rappellent que certains pilotes n'ont jamais fait de karting. Jacques Villeneuve vient du ski, Jacques Lafitte était le mécano de Jean-Pierre Jabouille, et Jean-Pierre Beltoise était un apprenti boucher, et il a gagné le Grand Prix de Monaco 5 ans après. C'est des choses qui paraissent incroyables aujourd'hui, mais effectivement, il y a plein de gens qui ont du talent, et il faut avoir l'opportunité. Ouais, c'est clair. Et puis, ce circuit Spa, Romain, avec le GT, bah, tu as déjà eu l'occasion de le fréquenter. On en discutait tout à l'heure, avant la retransmission. Tu avais couru les 24 heures de Spa sur une Mosler à l'époque, ça a été une bonne expérience, des souvenirs que tu en as encore aujourd'hui. Je pense que c'est une des courses les plus folles que j'ai fait de ma vie. Je me souviens au milieu de la nuit, il pleuvait, c'est pas une grande surprise, vous allez me dire. ça s'est mais fait. Surtout, il y avait le brouillard et on voyait absolument rien dans la ligne droite, mais quand je vous dis rien, c'est rien. Et je me souviens de mon team manager qui avait pris la radio pour me dire « t'es à peu près 5 secondes plus rapide que le deuxième plus rapide ». Oh ! À ce moment-là, parce qu'on voyait rien, et c'était un peu le plus fou qu'elle allait plus vite. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on roulait à fond, et la voiture qu'on avait était pas mal sur les conditions changeantes. Et donc ouais, c'était complètement fou, quoi. Dans la ligne droite, on voyait absolument rien. On ne savait pas s'il y avait une voiture devant ou derrière. Mais c'était top, et pareil, c'était une des courses sur laquelle j'ai envie de revenir, parce que c'est mythique, c'est une belle expérience, et c'est des conditions qui changent tout le temps, et en termes de pilotage, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur. Les endurances, ça reste plus que jamais des épreuves, évidemment, adulées par beaucoup de pilotes, hein, aussi. On parle de Le Mans, on parle d'une Herbe aussi, hein, en plus de Spa-Francorchamps également, hein, qui reste un sacré challenge, et bah voilà, le virtuel là aussi peut servir de parfait
camp entre guillemets d'entraînement justement pour se préparer. Alors qu'on voit ici Thomas Petitjean, c'est très très chaud là aussi avec Eran Jajowski. Alors qu'on va rentrer dans le dernier tour dans un instant déjà. Effectivement, du coup je vais aller rejoindre mon pilote. Ok. Quelques minutes et je reviens voir après. Bah pas de problème. Super, merci. Merci beaucoup Romain. Allez, bon, sacré bagarre entre Eran et Thomas alors. On va juste laisser Thibaut, allez, je t'en prie. Yes, so sorry, just Romain is going back to the Discord channel with his teammates, so he will join us. It's the final lap of the race. Sorry, it's not possible to talk about the race and to talk about everything else. So it's only 1 hour together. Yeah. We had a lot of things to talk about, so sorry, and we try to do in English a little bit. Sorry for the guys who are asking me to speak Portuguese. Ricardo Ferreira perhaps could have been able to do it, but sorry, I don't speak Portuguese. But hello to Portugal. Yeah, exactly. So the final lap, we have currently the sim lap one with Tobias Rohner leading the field. His teammate for this race was Thibaut Cazobon. So they are keeping the lead for the moment. Then we have the GoPro 3 with Alexandre Deletraz. Donc Alexandre Deletraz sur la GoPro numéro 3 qui occupe le deuxième rang de ce classement. Alors la GoPro numéro 3, il était accompagné par alors je vois ici Quentin Vialat, voilà, sur notre petit listing, messieurs, hein, corrigez-moi évidemment si jamais je venais à me tromper. La Mindmars 1 avec Fabien Taraki qui accompagnait Alexander Walters. Donc une petite position perdue du coup pour cette voiture par rapport à tout à l'heure, puisque les deux ils se suivaient de très près, hein, cette lutte avec Thibaut et Alexander, comme on l'a vu, messieurs. Et puis ensuite, vas-y. Ouais, exactement, on arrive à la fin de cette course. C'est vraiment, il y avait tellement de choses à discuter. Mais oui. Que c'est vrai qu'on n'a pas forcément tout suivi et c'est pas forcément facile de suivre. Voilà, on a des défauts, on est désolé. On aurait voulu parler beaucoup plus des pilotes, mais on a essayé de parler de tous les, vraiment de partager le plus possible. Il y aura d'autres soirées comme ça. Oui. On n'a pas parlé aussi des petits cadeaux qui va y avoir de la part des partenaires de Predator. Que ce soit la boisson Predator Shot ou un casque Galéa 311, Romain qui va signer un mini casque. Et voici donc et ben justement Tobias Rohner qui va avoir ces petits cadeaux là. La victoire pour Tobias Rohner et Thibaut Cazobon, la Simlab 1 qui remporte cette R8G Cup à Spa-Francorchamps. Alexandre Deletra avec donc pour équipier, on l'a dit il y a quelques instants, sur la GoPro. Numéro 3, Quentin Vialat qui termine deuxième. Fabien Taraki, Alexander Walters, et bien la troisième position, la Mindmars 1. Puis ensuite, on a Thomas Imbourg sur la IBAN First 2 qui termine à la quatrième place. Cinquième place pour Valentin Bray sur la Praga 1. On listera les coéquipiers d'ici quelques instants, bien sûr. Cédric Bollen pour la Richard Mille 2 qui termine sixième. Septième place pour Julien Poina sur la GoPro 2. N'hésite pas à s'amuser un petit peu après course, vous le voyez. Luan Hernandez sur la Mindmars 3 qui termine 8ème. 9ème place pour la Soccer Coin 1 avec Thomas Petitjean qui faisait équipe avec Stéphane Plat. Eran Jajowski GoPro 1 qui termine 10ème. So P10 for GoPro 1 with Eran Jajowski. Sébastien Bro sur la Simlab 3 qui termine 11ème. 12ème place pour Stéphane Desclos. Voilà, pour la R8G eSports Cup. Hein, donc la voiture de Romain Grosjean qui termine ainsi 12ème. So P12 for Romain Grosjean and Stéphane Desclos on the R8G eSports Cup. Johan Lakuska sur la Praga 3 qui était en 13ème, 14ème place pour la Mindmars 2 de Stéphane Koch qui aurait été au bout devant Thomas Sabourin sur la Simlab 2, la Richard 1001 de Juan Carlos Alcala Chirinos qui sera allé au bout. Juan Carlos Alcala Chirinos for Richard Mille 1 in P16, P17, 17ème place pour la Soccer Coin 3 de Bastien Viau, Ivan First 1 de Thibaut Merci 18ème, Selim Kasser sur la Richard Mille 3 19ème, 20ème place pour la Ivan First 3 de Thierry Petit, Thomas Guldagnan sur la Predator 2 termine 21ème, la Praga Official, Praga Official with Jack Fabi P22. 23 now, with a little updates on our ranking. François Canin, Praga 2, 22ème. Et puis enfin, Tortulo with Predator 1, P24, 24ème. Donc pour Tortulo sur la Predator 1. On peut juste signaler qu'on peut tout de suite se rendre compte que les pilotes ont passé un très très bon moment au vu de leur petit comportement à la fin de cette course. Et on est vraiment très content de ça, que ça ait pu plaire à tout le monde et que tout le monde ait passé un très bon moment. On a vu des très belles bagarres avec très fair play. Et bravo à tous.
Alors, on va essayer, de faire des petites interviews rapidement. Alors, pareil, on vous dit les backstage. J'essaye de faire monter les pilotes dans le Discord. Monsieur Jajowski, are you here? Yes, I'm here. So, okay. It's very nice to have you in. We talk a lot about you during the events, as you are one of the best team racer in the world on Air Factor 2. So it was really nice to have you in on e-racing. So just a quick question: we want to know exactly what's the difference between the two platforms, and how did you enjoy this evening? Yeah, but the difference is pretty huge, to be honest, in the driving style. How do you take the corners, mid-corner exit and stuff like that? Especially, you need to be so smooth and so careful on iRacing. Yeah, just a little bit of a slide and you are gone. Your tires are just over the roof. So you need to keep it calm and just go smooth and yeah. So you enjoy? Yeah, it was I had some fun. Yeah. Some nice battles after the pit stop, after I took over the car, so yeah. We were talking about reality and virtual, so you are a great team racer in Air Factor 2. How do you consider yourself? Are you still waiting to have an opportunity in real life? Are you planning to grow as a team racer? And to grow with the sim racing, to stay in F-Factor 2, to move perhaps in another game. How do you see your future overall? Yeah, as every sim racer's dream is obviously to get into the real deal. But as you may know, it's really big financially. It's really big financial toll on the person. So as long as there is sim racing, I'm gonna continue doing it, and I'll try expanding as I do. I'm currently trying to expand to race room, but who knows? Maybe in the future I start doing iRacing. It's great. We enjoy your race on the F-Factor 2, like 2 days ago on the GT Pro Series. Like, you crush everybody, pole position and two wins. So carry on like this. Very proud to have you in. Yeah, thank you. Thank you, guys. A few questions to Martin. Martin, are you here? Hi, guys. Yes, definitely. Yeah, cool. So it was great to have you in. A quick word about the event. Sorry, I couldn't hear it from the guys joining this channel. What were you asking, mate? Yeah, how was the event for you? The evening was good. Yeah, with zero practice was... I still managed to be in the top 10, and my teammate as well. We were at some point P4, but we obviously had too much off track, so we had to serve a penalty, and that cost us the race, the top 5. So, but in the end, I mean, it was a great event. So you are an e-racing driver. Tell us about racing with your boss, with Romain. How do you see his performance? Romain's performance on the sim is awesome, of course, it's a pleasure to drive with such a big name and to learn from an F1 driver. So that's awesome, and I'm really glad to be part of this. Thank you very much for being with us. Est-ce que Monsieur Thibaut Cazobon est là? Je suis là. Bonsoir. Ah, donc alors là, on parlait de Eran Jajowski, un des rois d'Air Factor 2. Là, on a switché à un roi d'e-racing. C'est ta plateforme. Tu performes avec un e-rating incroyable. Pilote en Porsche Super Cup cette année. Comment tu as... On a vu ta belle bataille avec Wolters. Tu peux nous expliquer cette bataille? Ah, donc vraiment, déjà bien joué Alex et Wolters, qui était vraiment au début. On a fait une première demi-heure super super fun, quoi. On s'est bataillé, on est parti tous les deux devant et c'était cool à faire, quoi. Donc on est parti tous les deux devant et voilà, on a tous s'échoué un petit peu, on a tous les deux carburants, quoi. Et c'était vraiment fun, on a fait une petite bataille, voilà, quoi. C'était vraiment cool. Je suis content aussi pour mon teammate, maintenant il va avoir des bonnes boissons Predator à boire. Voilà, quoi. C'est cool.
Qu'est-ce qui va se passer là pour toi cet hiver? Donc, une saison en Porsche Super Cup qui est sans doute l'un des championnats les plus difficiles au monde. Donc là, c'est essayer de se qualifier pour l'année prochaine. Ouais, clairement, l'objectif c'est d'aller dans le top 20 qualificatif pour la Porsche Sport Super Cup. Donc pour l'instant, il y a Alex qui est qualifié, Walters. Moi, je suis presque là. Bon, on a 5 manches, je vais tout donner pour y être. Voilà, je pense que ça va passer. Bon, super, merci d'avoir été avec nous. Mr. Kasdorp? Yes, good evening. Hello, our Twitch star. We really enjoy your Twitch live. You're a mega star guy. And yeah, so you are an Air Factor 2 driver like Aaron, a little bit more used to e-racing than Aaron. Very great. You are a great team racer. So how was your evening? It was good fun. We managed to get a top 5, so I'm happy before it went. Ah, we can see you now. We see your face. Nice. it's very cool. Yeah, you had a great GT Pro Series with Aaron, big fight, and we really enjoyed watching you on Twitch. So yeah, it's great to have you in. Nice. I'm enjoying it. Very cool. Nice to be with us, Romain. Oui. Ah, c'est sympa quand même de passer de tous ces joueurs incroyables qui roulent pour toi. Right, no, c'est top. Just a quick word in English, because guys, I came late, so I couldn't really catch up with you before. But thanks for taking part to the RIG Cup. I think it was quite fun. Even though I'm disappointed, Aaron beat us with no practice and not knowing the game. No, it was good fun, and you know, I think I am very proud to be the boss, sort of the boss of RIG Esports, and to have you on board and to be able to share with you, you know, the moments, the track, the emotions from the races, and really, you know, it means a lot to me, because I think as I say, I'm proud of the team, and there's nothing better for me to see when you. Each other push to the limit, you go on a server, you train, you know, Wolters is now in the PESC or the Porsche pickup, and I know Thibaut will hopefully join soon, and Martin is trying as well. And I can't drive that car, by the way, guys. I'm about 3 seconds off the pace. So, it's just really good. Est-ce que Stéphane Koch s'est remis de ses émotions? Ouais, salut monsieur. Bah, vous vouliez du spectacle, j'en ai envoyé du spectacle. On est obligé de tout partager. Une minute avant, j'ai pris un scud de Romain en pleine face sur nos relations quand j'étais journaliste de Formule 1. Et heureusement, tu as eu la bonne idée de faire un tête à queue pour qu'on change de sujet. C'est pas tout à fait vrai, Stéphane. J'étais très déçu que tu sois devant nous. Du coup, tu as remonté mon moral. Ouais, bah oui, je savais que j'allais prendre cher si je finissais devant toi, Romain. Donc, du coup, voilà. Je me suis dit, faut que je trouve une solution. Donc, on a cherché longtemps avec mon teammate. Pour savoir qu'est-ce que je pouvais faire, et puis il m'a dit vas-y, fais-toi plaisir. Ah, je lui ai dit me dis pas ça. Non, mais super super course dans l'ensemble, enfin en tout cas moi de ce que j'en ai vu, c'était super. D'ailleurs, je tiens en mon nom à remercier tous les acteurs qui étaient présents ce soir, parce que de ce que j'ai vu, c'était assez fair-play. Évidemment, il y a des touchettes, évidemment, il y a toujours des petits inconvénients dans ce genre de course, mais je pense que dans l'ensemble, tout le monde s'est amusé. En tout cas, moi, j'ai pris un véritable plaisir à être parmi vous et à reprendre le volant. Voilà, vraiment, enjoy a lot. Et c'était super, super. Merci à vous. That was great, great. We are now with Stéphane Koch, the boss of the team. The team manager is all the time connected to the drivers. To the sim racers, he's doing the agenda, he's doing everything, the lineup, he's taking care of a lot of things. And he's as well a good sim racer with a lot of experience, and we were a bit laughing about the speed, but yeah, he said he was really, really enjoy driving
among his friend and his boss. So yeah, I think it was overall, we wanted to speak about many things during the evening, like the partners, Romain. Perhaps we will finish with you because we don't want you to miss your flight to Imola if you go by flight or by car, whatever the COVID will allow you to do after your 13th test today. It was 30 yeah, yesterday. 30. Yeah, so yesterday. Yeah. I'm still negative, so all good. Yeah, cool. So yeah, just to finish on the high note, yes, about the partners. That was the idea of the event tonight with the skins of the partners, the name of the partners. Nothing is possible without partners. We have some gifts, the Predator shot, the Galia 311. We'll have the mini helmet sign as well, and some the gray jersey, the gray t-shirt of the team. We have a very nice boutique, so it's a teamwork, and it was important to be here tonight. Oh yeah, for sure. It was, you know, we want to do more because I think it's just a great way to have fun, race. Obviously, this is not an official race, so we can, you know, enjoy it in a way that it's less pressure. And for everyone that had the chance to share with Alex Wolters, with Martin, with Yuri, with Thibaut, with Stefan, or with me, the car, it's great fun. And I think for anyone that is into sim racing, it's a big opportunity. We can finish as well with Mr. Wolters. I see him. Are you here? Yes, I'm here. How are you? Yeah, nice. It was really great to have your hot lap ahead of the race. You did an amazing lap, 2:11. So how was your evening? It was good. I pushed till the end with Thibaut. We were pushing like it was the last race of our lives, like always. I enjoyed it a lot. It was quite fun, actually. Where are you? You are in the Dominican? No, I live in the United States. I'm from the Dominican Republic, but I'm in the United States, yeah. Ah, okay. Okay, cool. So, how was the fight with Thibaut? It was fine. I loved it. At the beginning, he was really fast at the first laps, but then with the draft, I catch him, and then I saved fuel a little bit. And then in the end, it was a fight, like I said before, like it was the last race. But it was really good. I liked it a lot. Cool. Thank you for being with us. Oh, thank you. And thank you, guys. Thank you to all the partners, and thank you for Roman for hosting the race as well. Well, on va finir avec un petit mot de Romain, voilà, pour conclure cette soirée qui était vraiment importante. On travaille beaucoup dans l'ombre depuis un petit bout de temps. Tout n'a pas été parfait. Il y avait beaucoup de choses à dire ce soir. Mais c'est clairement un objectif, Romain, de cette équipe à la fois. Tu es un compétiteur, donc on a des objectifs pour cette équipe, de gagner des grands championnats, de continuer à grandir, mais aussi de partager ce qu'on a fait ce soir. Oui, non, effectivement, c'était une super soirée et on a envie d'en faire plus. On a envie de partager notre amour du sim racing et de la course avec un maximum de personnes sur la plateforme. Donc voilà, déjà, je tiens à remercier tous les pilotes qui sont venus, nos pilotes et tous les autres. J'espère qu'ils ont profité. Et puis voilà, on a des cool cadeaux aussi pour les vainqueurs, pour la plus belle photo sur les réseaux sociaux et tout. Donc, on essaie de jouer le côté course, mais aussi de jouer le côté amusement, parce que ce n'est pas que la performance qui est récompensée ce soir. Il y a aussi eu une super opération avec Acer France, à la FNAC aussi, où il y a eu vraiment des centaines de jeunes qui sont venus s'essayer sur un autre jeu, sur Project Cars. Et voilà, c'est des choses qui font aussi partie d'une équipe de sim racing. Et notre objectif, c'est de continuer. Ok, ben voilà, hein, tous ces bons mots ainsi et ces interviews de pilotes qui nous auront fait vibrer ce soir. Merci Thibaut, en tout cas, pour toutes ces interviews, ces interactions, bien évidemment, que tu as parfaitement gérées dans les deux langues, je tiens à le dire, voilà, en français et en anglais. Donc, good job Thibaut de ce côté-là. On va faire un petit récapitulatif du classement, si vous êtes d'accord, messieurs.
hein, tout de même, pour bien récapituler et savoir où on finit un petit peu tout le monde. Voilà, donc Tobias Rohrner, donc ça c'est sur l'équipe de la SimLab 1 qui a remporté donc cette épreuve, donc cet événement, on va dire ainsi, voilà, de cette RWJ Cup devant la GoPro 3 avec Alexandre Deletraz, Fabien Taraki sur la MindMaz 1 qui a terminé à la 3ème position, Thomas Habour sur la Eben First 2, 4ème, la Praga 1 de Valentin Emery 5ème, la Richard Mille 2 de Cédric Bollen 6ème, la GoPro 2 de Julien Poinat 7ème, MindMaz 3 avec Luan Hernandez 8ème, 9ème position pour SoccerCoin 1 avec Thomas Petitjean, Eran Djadjovski sur la GoPro 1 qui termine 10ème, 11ème place pour SimLab 3, Sébastien Bro qui était au volant. Ensuite, la RWJ eSports Cup, Stéphane Desclos qui aura ramené la voiture à la 12e place finale. Praga 3 de Johan Lakuska qui termine 13e, 14e place pour la MindMaz 2 avec Stéphane Koch. Donc oui, la RWJ eSports Cup aura terminé devant la voiture de Stéphane Koch. Voilà le petit clin d'œil en passant ainsi fait. SimLab 2, Thomas Sabourin 15e, 16e place pour la Rimshare 1001 de Juan Carlos Alcala Chirinos. La SoccerCoin 3 de Bastien View termine 17e. 18e place pour la Iban First 1 de Thibaut Merci, la Richard 1003 de Selim Kasser 19e, 20e place ensuite pour le Iban First 3 de Thierry Petit. Et puis pour terminer ce classement, Thomas Guldalian sur la Predator 2, 21e, 22e place pour la Praga 2 de François Kahn. Jack Fabi sur la Praga Official termine 23e. La Predator 1 sur laquelle on retrouvait Thor Tulo, notamment 24e. Là, vous avez eu le listing des pilotes qui ont fait le deuxième relais. Hein. On va le préciser évidemment, mais un Strength of Field, puisqu'on parlait de soft tout à l'heure avec Sébastien, qui était à 3292, donc de quoi faire une bonne course et une belle soirée, hein, Seb et Thibaut. On va encore... Est-ce qu'on a le meilleur tour en course ? Alors, le meilleur tour en course, je peux vous le donner, ça, il est à mettre à l'actif de l'équipe. De Thibaut, hein, je crois. Oui, c'est ça, la SimLab 1 de Tobias Rohrner et Thibaut Casaubon, 2 minutes 13, 413. So best lap 213413 with the SimLab number one of Thibaut Casaubon and Tobias Rohrner. So now we will have a little bit of work to decide. We did the best overtaking maneuvers to get an official T-shirt signed by Romain, and as well for the top three finishers with four trays of Predator Shot energy drinks and. And then, yeah, to now it's your time to post on the social media if you want to get the Predator Headphone Galia 311. Thank you very much, and hope to see you soon. Yes. Yeah,